Deuxième course qualificative au prix d'Amérique Marionneau, le prix du Bourbonnais doit permettre à Severino de savoir s'il peut ou pas battre le crack Ready Cash. Christian Bigeon y croyait avant la course. Il nous livre, après course, son analyse. Bon, là on se range dans les élastiques, on va volter et je pars au milieu à peu près. Donc là je me retrouve dans le dos de QWERTY au départ, après je me rabats et je vais me retrouver dans le dos de Save the Quick avec Franck Leblanc. Et donc là je vais rester ici à cet endroit. C'est un cheval qui déboule pas très très vite, mais il ne faut pas essayer de provoquer, pas essayer de faire trop vite en partant. Donc là il y a Jean-Michel avec QWERTY en dehors de moi qui me laisse pas trop de place, mais on a crié un coup, il s'est écarté. Et voilà, donc là je bouge pas, je suis dans le dos de Save the Quick et je suis très bien. Et là on arrive au 700 et je sors. À cet endroit avant j'avais senti qu'il y avait Ready Cash dans mon dos quand même malgré tout et je savais que bon, il allait me pister mais il fallait que je vienne. Et donc là j'y vais une accélération de toute beauté. Et là c'est vraiment bien. On vient prendre la tête. Je sais que Ready Cash me piste. Dans les tournants on se rabat devant QWERTY. À cet endroit, Ready Cash vient à mes côtés. Je suis toujours en tête. Et là, Franck Nivard reprend un petit peu son cheval et se remet un petit peu derrière moi. Mais là, je suis en tête, j'ai toujours pas débouché. Et à l'entrée d'une droite, je vais lui déboucher les oreilles. Il réagit bien et voilà. J'y crois un petit peu quand même à cet endroit. Et Ready Cash revient à côté de moi et me prend l'avantage. Et là, il se défend comme un beau diable et vraiment, c'est bien et Ready Cash prend l'avantage, mais il n'a pas molli et même à la fin, presque il repart un petit peu. Mais vraiment super course, je suis satisfait, battu par un phénomène. Ce qui est, voilà. Mais c'est bien, c'est un cheval qui progresse tout le temps. Et il a déjà démarré sa carrière de course à 2 ans et là il va prendre bientôt ses 6 ans et il est toujours là, il est meilleur que jamais.